Yo les gens, ici Rafix à 16h50, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny sur PlayStation 4. Donc ça sera une nouvelle vidéo d'opening d'engrammes exotiques et légendaires. Donc comme vous avez pu remarquer hier dans mon vidéo de Xur, j'avais acheté quelques 3 de deniers. Donc j'avais 50 à peu près 3 deniers, j'ai eu 5 engrammes exotiques. Donc c'est une bonne moyenne de 10 pour 1, voilà. C'est pas mal je trouve. Ah, c'était mieux avant, mais voilà, on a ce qu'on a maintenant. Donc on est parti pour l'ouverture d'engrammes. Donc je vais vous montrer tout d'abord ce que j'ai. Donc j'ai eu 2 engrammes exotiques d'armes spéciales, 2 engrammes exotiques d'armes lourdes, 1 engramme exotique de jambes et 1 engramme exotique de casque et un légendaire de casque. On va commencer par le légendaire de casque. Donc voyons ce que je vais avoir. Donc Aspirin 1, donc je crois que ça vient de l'épreuve celui-là. Donc voilà, c'est pas top top, voilà, je pense que je garderai pas. Donc on va commencer par le casque. Donc masque de 3ème homme, donc c'est bien, je l'avais pas celui-là. En 300. Ah merde. Il est pas en 310 comment. Ah parce que je suis pas 310, merde le con. Je suis pas 310 le con, je suis chié dessus. Attendez, je vais me mettre en 310 du coup. Je peux normalement me mettre en 310. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, il est pas. Je le ferai monter après, c'est pas grave. Ah merde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, on va pas. Je vais pas m'énerver pour ça, voilà. Ensuite, 1 gramme de jambes. Donc, jambes de pèlerin, je l'avais déjà. Je l'avais déjà je crois celui-là en 310 donc ah je suis vraiment désolé merde fait chier pour mon casque. Bon c'est pas grave, je vais ouais, je sais pas, je pense que je vais en faire prendre donc c'est pas grave, c'est pas grave. Donc ça c'est pour titan, donc on va le mettre dans le coffre, hein. Je pense que j'ai déjà, je ferai monter un équipement peut-être, je verrai peut-être monter ça en 310, voir je vais voir. Donc ensuite arme lourde, donc en espérant avoir une batteuse pas en roquette, que les roquettes ça m'intéresse pas. De vérité, donc voilà. En 310, j'espère. 310, vérité, les munitions de cette arme ont une fonction d'efficacité de recherche cible. Les roquettes de cette arme peuvent exploser plutôt en fonction de la proximité de la cible. Donc voilà. Bah, je l'avais pas, donc c'est quand même bien quand même. Donc arme lourde, deuxième. Le vérité également, donc c'est bien, merci. Merci Bungie, hein, d'offrir deux fois le même qu'on a déjà eu. Donc voilà, c'est pas top, hein, franchement. Donc là c'est pareil, ils vont me faire le coup avec les armes spéciales, je le sens. Donc le quatrième cavalier, merci, je l'avais déjà. Vous voyez, vous pouvez voir, je l'avais déjà. Donc ils aiment bien nous donner 15 fois la même chose qu'on avait déjà. Et ensuite, le dernier, je pense, c'est quatrième cavalier. L'invictive, ah, année 2, c'est pas mal ça. Donc c'est, plus je mets un colis. Ah, pas mal, l'invictive, il est pas mal en PvE, en PvP je veux dire. On va ouvrir ça. Ah, mal aimé, donc je sais pas c'est quoi. Ah, c'est un revolver. Légendaire de l'épreuve. Ah, il est vraiment pas mal. Il a un skin pas mal. Donc je suis un peu dégoûté, franchement. À part l'invictive. Mais j'avais déjà avec mon arca, je crois. En 310. Donc c'est vrai qu'il a un beau skin. Donc au moins, on va dire, sur 50 grammes exotiques, j'ai eu 7 bien. Ça. Mon quatrième cavalier, je l'avais déjà, donc je vais peut-être monter des armes en attendant. Je peux monter du stuff, je vais voir. Avec les autres persos, si j'ai pas du stuff à faire monter, c'est pas grave, je vais les sacrifier. Je vais en sacrifier au moins un déjà. Un cavalier, et là pareil, en sacrifier un légende. Un pire, je pourrais monter quand j'aurai l'épée exo, la faire monter au-dessus de 310, je vais voir. Donc voilà, cette petite vidéo d'opening d'engrammes exotiques est finie, donc je suis un peu désolé d'avoir un peu de la merde, hein. Franchement, bah, parce que comme on dit, c'est Bungie qui décide, hein. Donc voilà, de toute façon, comme on dit, moi c'est ce que j'ai parlé avec un petit hier, il était en train de jouer à Call of et moi je jouais à Destiny, il m'a dit les loots, c'est plus pour jeu, qui... c'est plus les loots, les bons loots, c'est toujours pour les gens qui jouent presque pas à Destiny, et ceux qui jouent tout le temps régulièrement, tous les jours, on loot que de la merde, voilà. Donc c'est un peu dégueulasse, je pense pas que les loots c'est fait comme ça, mais voilà quoi. Donc moi je vous dis une prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Bye bye, portez-vous bien. Peace.